santé n'a pas de prix, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre mission de bien-être. Une mission dans laquelle nous allons vous informer, vous aider sur des événements qui peuvent vous arriver quotidiennement pour ne plus être ignorant et dans laquelle toutes vos préoccupations sur la santé seront le bienvenu. Sans plus tarder, nous allons aborder les thèmes la migraine au réveil. Aujourd'hui, nous allons parler de la migraine. Avant tout, nous devons savoir c'est quoi une migraine. La migraine, par définition, c'est une douleur intense qui affecte un seul côté de la tête et qui survient généralement sous forme des crises. Autrement dit, c'est une céphalée qui n'est rien d'autre qu'un mal de tête. Nous avons plusieurs types de migraines. Nous avions la migraine, nous avions la céphalée des tensions, la migraine chronique et nous avions la céphalée des hortons. Mais nous allons nous baser sur la migraine au réveil. C'est très fréquent et très désagréable en tout cas. Cela arrive presque à tout le monde. Personne ne peut dire que je n'ai jamais souffert ou je ne souffre pratiquement pas de la migraine. C'est faux, c'est juste que tu ne sais pas si c'était ça la migraine. Comme nous le disons en lingala, certains l'interprètent comme nazookamutu kilo ou bien mutu ezobetanga kote moko. Voilà, c'est tout simplement ça la migraine. Alors, la migraine peut être causée par beaucoup de choses. Pour certains, c'est dû à la migraine au réveil, voulais-je dire. Pour certains, c'est dû à un manque de sommeil ou insuffisance de repos. Pour ceux qui travaillent trop, n'ont pas suffisamment de temps pour dormir et ils disent que la nuit, c'est fait pour travailler. C'est bien bon pour votre activité, mais c'est nuisible pour votre santé. Faites un effort de respecter au moins les heures de sommeil. Cela est très important. Le second plan, ça peut être dû à la faim pour ceux qui ne mangent pas suffisamment. C'est très important de manger le soir, pour ne pas dire la nuit. Vous pouvez manger légèrement, cela dépend de vos possibilités. Vous pouvez prendre des pâtes, autrement dit spaghetti. Vous pouvez prendre la bouillie, vous pouvez prendre du thé, ça dépend de vous. Mais essayez de manger au moins quelque chose le soir pour ne pas dormir affamé. Nous avions un autre point qui est le stress ou la fatigue. Pour ceux-là qui travaillent également trop, c'est un point très important parce que vous devez trouver un temps pour vous détendre afin d'éviter de tomber dans le stress, un temps pour vous amuser, pour éviter la fatigue. Nous avions également la déshydratation. Essayez de prendre ne fût-ce qu'un verre d'eau avant de vous coucher. Ça ne nuit à personne, au contraire, c'est très bénéfique pour notre corps. Un verre d'eau ne tue personne. Alors, si vous ne voulez pas respectez tous ces critères, vous tomberez dans ce qu'on appelle la dépendance de médicaments. Vous serez obligé d'être soumis sous de prescriptions des antalgiques ou des analgésiques qui n'est rien d'autre que des médicaments qui préviennent ou apaisent la sensation de douleur. Mais vous serez obligé de dépendre de ça quotidiennement. Pour éviter d'être sous une prescription médicamenteuse, prenez soin et prenez en compte de ce que je viens de citer. Haut. Si vous remarquez que le mal de tête persiste pendant au moins 2 semaines d'affilée, cela est très dangereux. Vous devez vite courir dans un hôpital, voir un médecin pour savoir si c'est quoi la cause. Car un mal de tête fréquent n'est peut-être pas qu'une simple migraine, mais le symptôme d'un début d'une maladie. Alors il est très important de voir un médecin pour avoir plus de précisions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et je crois que cela vous a été bénéfique. Et nous nous retrouvions à la prochaine sur un prochain numéro. Merci, bye bye.